Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Donc on se retrouve après, pas loin de 15 jours sans live sur le jeu The Sinking City. Ça va être super, il va falloir que je me remette tout dans le jus parce que je me souviens pas trop de ce qu'on avait fait, où on en était et comment on jouait. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, hein, des bonnes fêtes, bonne année, soit dit en passant. Que la première semaine de reprise n'a pas été trop compliquée. Et nous, on va essayer de reprendre eh bien, tout doucement. Connaissance, et vous pourrez dépenser une nouvelle capacité dans l'interface aptitude. Oui, le chat. J'ai le chat qui vient dans le lit pour se faire gâter avec moi et il m'énerve, il se frotte dans mes mains, et il bave comme un goret. C'est dégueulasse. J'avais oublié qu'il y avait des grands temps de chargement, punaise. Alors je me rappelle, on était allé dans un hôpital, on avait vu un médecin parce qu'on cherchait un mec blessé. On avait eu deux missions du médecin, je crois, un truc comme ça. On va refafouiller un petit peu les touches et comment on fait. Comment on joue. Alors. Nouveau lieu, zone infestée. Alors. On était à l'hôpital Sainte-Marie. Alors, les aptitudes, points de connaissance. Hein, je peux dire, est-ce que je peux... D'accord, ok. Ah ben j'ai appris ça, c'est quoi? Permettre de porter cette vase dans un pistolet. Ok. Connaissance. Carnet de notes. Perdu en mer. Un patient blessé, Joseph affirme qu'un ivrogne lui a tiré dessus au bar. Sans ça, c'est qu'il faut qu'il va falloir je machine. Oui, c'est pas la dynamite. Capitaine. Après, voilà, on a les lettres. Faire un next. Pétale de compte, ça intéresse. Mal bête, ouais. Sont en train de tuer. Carnet de notes. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est mon inventaire. Comment on joue? Courir, attaque de mêlée, viser, objet visé. Alors. Je vais retourner à l'hôpital.
sur mon truc. L'épreuve, elle a l'écran. Que j'avais fait ça. Pour obtenir des preuves, interagissez avec les objets et les ans associés aux indices dans le palais de la mémoire et prenez les photos. Le cadre blanc apparaît. Lisez attentivement les preuves dans les yeux importants appelés. Épingle les preuves sur la. Vous pouvez également placer les preuves sur les cartes, sélectionner les preuves et utiliser. Venez, il y aura sûrement quelque chose qui vous plaira. Arrêtez ça! Laissez-moi me reposer. Comment on prend une photo? Mon ventre. Jamais plus je mangerai de sangsues. Ça, non. Manger des sangsues, mais quelle idée. Non, mais c'est tellement glauque, les hôpitaux, putain. Pourquoi c'est toujours glauque? Je vous ai prévenu. Moi, pitié, pitié, juste là, ça me démange. Non, je te gratterai pas. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Ouais, c'est ça, c'est le mec blessé, mais je sais pas comment le trouver, c'est les mecs blessés. Là... Laissez-moi me reposer. Mais je sais pas comment démontrer que c'est un des mecs, tu vois.
comprends pas, je peux plus leur parler. Prenez soin de vous, nous n'avons plus de lit disponible. Ouais, mais non, j'ai rien trouvé avec ma vision spé. Bon, après, il y en a un des deux blessés, il a quand même. Lui, là. Espèce de pingouin, là. Oh, il a quand même. Il est blessé à la. Machin, il a quand même une. Enfin, pour moi, c'est un. Ah, c'est pas une bouée, putain! Comment ça s'appelle? Un gilet de sauvetage, donc franchement. Je peux tirer dessus, tu crois? Arrêtez! Ils viennent tout juste de me soigner. Pardon, j'y arrive. C'est mal. Oh, laissez-moi me reposer. Bah. Je sais pas comment. Laissez-moi me reposer. C'est qu'il n'y a rien autour pour interagir, tu vois. Qui indique les preuves, ils sont obtenus. Obtenus. J'ai pas bien compris comment fonctionne le palais de la mémoire en fait. Que tu vois, c'est ça, c'est Sanders blessé. Est-ce qu'il y a des choses sur la carte que j'ai pas tout machiné? Peut-être là. QG de l'expédition, preuve à récupérer. Je peux peut-être retourner par là. C'est quoi ça? C'est une cabine téléportation. Bah, je vais peut-être aller à la cabine de téléportation. Et je vais retourner au QG. Il y a des documents à l'accueil de l'hosto. Attends. L'hôpital Sainte-Marie, tu parles? Ah oui, sujet. Putain.
Alors attends. Putain. Quitter le quai. Ces machins, vraiment blessé à l'épaule, l'homme est blessé. Je vais pas soigner, ok. J'essaye de comprendre en fait déjà. Passion blessée. Pourquoi ça a changé? Je comprends pas. Oui, mais je comprends. Merci, je comprends pas. T'es pas dans l'ordre. Oh, ben, je veux bien que je suis pas dans l'ordre, mais je comprends pas. Ah. Donc mon brûlure multiple et blessure de fragmentation intense au visage et suite à une explosion. Plusieurs interventions chirurgicales, traitement de ces blessures. Tranchée en taille profonde à l'épaule gauche, fracture de la clavicule, fracture de l'omoplate, point de suture. Le capitaine Sentier s'est quitté. Ah, il est dans quel département, le mec? Il y a Peter Crowley, Jess Willow, 39 ans, étranger.
C'est mes deux gaillards, ça. Joseph. Gauche fracture la clavicule, fracture. Ah ben c'est Joseph Willow qui me raconte des cracks. C'est drôle, votre fiche dit que vous avez pris un coup de hache, tout comme un certain capitaine Sander sur Massacre du Port. Allez, crachez le morceau. Ah, bon sang, bon sang. Qui vous a envoyé ? C'est moi qui pose les questions, l'ami. Ouais ? Eh ben, dites-moi un peu qui vous êtes. Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton veut savoir ce qui est arrivé à son expédition perdue. Alors comme ça, elle a fini par se réveiller, Throgmorton. Je savais qu'un homme comme vous me retrouverait tôt ou tard. Je pense qu'il serait peu dire de qualifier votre expédition de désastreuse. Sans deck. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais découvrir, monsieur Reed. Si seulement j'avais su. Peut-être qu'il serait encore en vie. Les chercheurs, mon équipage. Aucun d'entre eux ne méritait un tel sort. Saviez-vous qu'Albert Throgmorton a réussi à regagner le rivage ? Albert est en vie ? Il est ici ? Non. Non. Il s'en est pas sorti. Mort comme le reste. Assassiné au port. Mais qu'en est-il des autres ? J'en sais rien. Mon équipage les a laissés au fond sous l'eau. J'ai donné l'ordre de les sauver, mais mes gars ont menacé de se mutiner. Dites-moi ce qui s'est passé lors de la dernière plongée. On avait un système. Les plongeurs descendent puis remontent à l'heure prévue. Mais pas cette fois. J'ai fini par envoyer une autre équipe pour les retrouver. Ils sont revenus avec Albert. Mais ils étaient tous terrifiés. À moitié fous. Si vous avez abandonné les autres à leur sort, c'était pour une bonne raison, n'est-ce pas ? Vous n'y étiez pas. Jour après jour sur ce navire. C'était un cauchemar, monsieur Reed. On a vu des choses. Aucun de nous n'osait dormir. C'était une expédition en eau maudite. C'est tellement glauque, putain. Je suis passé à bord du Titania avant de venir ici. L'équipage avait l'air de picoler sec. Pourquoi ? Pour les empêcher de se mutiner. Pour les sauver du désespoir. Après un tel cauchemar, chaque homme sur Terre irait se saouler. Les fouilles ont donc laissé votre équipage mal en point. Mais que s'est-il passé au port ? Je l'ignore. Ils étaient tous calmes jusqu'à l'arrivée, puis... Puis ils ont complètement déraillé. Et beaucoup de braves hommes y ont perdu la vie. Que cherchiez-vous sous l'eau ? La cause de tout ceci. Les pierres. L'inondation. Les monstres. Les chercheurs ont trouvé des failles au fond de la mer. Ils travaillaient sur une théorie qui les reliait à la folie. Le fond de l'océan s'ouvre en grand et ça rend tout le monde fou à la surface. Vraiment. On a passé des journées entières au-dessus des failles. On entendait des choses. On les voyait nous épier. Vous pourriez m'amener sur le site de la dernière plongée ? Non. Non. Vous ne pouvez pas les suivre, monsieur Reed. C'est du suicide. Ou pire encore. J'ai été plongeur dans la marine, capitaine. Et avec tout le respect que je vous dois, je ne crains aucun croque-mitaine. C'est sans importance. Tu devrais. Je vous y emmènerai pas. Et de toute façon, il est impossible de les suivre sans le bon équipement. Vous savez où je peux me procurer un bon scaphandre ? Les gaz sont équipés à l'usine du coin. Si vous êtes si entêté que ça, je vous donnerai l'adresse. Où se trouve le journal de bord du Titania ? Je l'avais sur moi, mais j'étais presque inconscient quand on m'a amené ici. Je me souviens de la salle de chirurgie. Puis quand je me suis réveillé, mes affaires n'étaient plus là. Bon rétablissement.
Alors... carnet de notes. Alors... machin, usine de scaphandre. Ok. Ok, bon. Alors, il lui manque ses documents. Alors, la chirurgie, c'était où? Basement, chirurgie. Prenez soin de vous. Nous n'avons plus de lit disponible. Prenez les affaires du patient et rangez-les dans la réserve. Prenez les affaires du patient et rangez-les dans la réserve. Journal de bord du Titania, lieu de l'accident. De bruit, de manque de sommeil, poissons sont étranges. 22 mars, un teint, le... l'équipage chou d'hallucination. 23 mars, rhum distribué pourvu que ça les occupe. 23 mars, trouver une poche d'air dans les grottes près de la dent du diable, non loin de la ville. Chercheurs ont découvert d'anciens murs, ont demandé des outils. 24 mars, plongeurs sont pas remontés à temps, envoyés Tate et Meyer au fond. 24 mars, Tate et Meyer sont revenus avec Albert Strongmorton. Il a perdu la tête, sa folie est malsaine surnaturelle. 24 mars, l'équipe a foutu Albert dans une chaloupe, voulu les arrêter mais sont mutinés. Hop. Dernière plongée à proximité d'un ensemble de rochers surnommé les dents du diable. Ce récif est très loin du port d'Oakmont. J'ai les coordonnées de ma disposition et je devrais pouvoir m'y rendre en bateau. Usine des scaphandres. Ok, ok. Clean water, putain, quand tu vois l'état du bousin.
Putain, mais en vrai, tu te fais opérer ici. Mais tu crèves de, de maladie nosocomiale. Prenez soin de vous, nous n'avons plus de lit disponible. Alors, toutes les preuves, machin. Alors, par contre, j'ai dans les carnets, j'ai des affaires annexes. Ensemble de notes. Le propriétaire de l'hôpital. Le propriétaire m'a permis de consulter des notes étranges concernant les chambres. J'ai retrouvé parmi elles plusieurs pages du journal d'un homme décrivant sa vie à Oakmont. Il souffre de vision. L'homme qui est mort en se transformant est une homme créature vivant dans le nord de Salvation Harbor sur Moorland Road. Alors, Salvation Harbor. Ok, c'est là, bon, on verra plus tard. Ça, c'est un petit bateau. Ça, c'est l'asile. C'est quoi l'hôtel de bibliothèque? Hôtel de ville. On va retourner au QG parce qu'il y a l'air d'avoir des preuves qui y sont encore. Parce que ça a l'air. Avec que les preuves. Clients. De toute façon, je vois pas. Peut aller d'autres. On va pas aller là directement, non. Peut-être aller au manoir Throgmorton, essayer d'aller discuter avec le père Truffion là. Je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Qu'est-ce que t'en penses, Xian? Ça nous en dit pas plus. Attends, on va aller voir les scaphandres de l'usine de C. Smith Avenue située à Levy Collins. Putain, oh, mais voilà. Alors, Grishaven Bay. Alors, attends. Ouais, bon, on va retourner là déjà. On va aller à la cabine téléphonique et on va se téléporter. On va utiliser le TARDIS local. Non, mais faut que tu sois concentré, Xian. Il faut que tu m'aides pour les énigmes. Non, je vais jamais m'en sortir, puis tu me laisses tout seul dans ce monde froid, pluvieux,
semé d'hallucinations et de malveillettes. Pauvre de moi. Pauvre de Salina, abandonnée toute seule dans ce monde horrible. Ne m'abandonne pas. Alors, il m'a dit quoi l'adresse, l'autre pingouin, là? Scaphandre, l'usine machin située entre Levy Coffins et Deep Shore Road. Shop Road, c'est là. C'est machin avenue là, c'est ça? Ça paye ma machine. Non, Levy Coffin Avenue, putain, c'est où ça? Ah, c'est là. Si c'est là, c'est où? Croisement. Alors, ça avait l'air d'être dans ce sens-là. Non. Voilà, dans ce sens-là. Oui. Mais tu t'attends tellement à ce qu'il y ait une bande de brigands qui te tombe sur le coin de la gueule. Venez voir mon pesque frais, tout juste pêché, monsieur. Ouais. Il est frais mon poisson, ah, c'est ça. C'est quoi, c'est des espèces de chats moches là qui courent comme ça? Zone infestée, super. Alors attends, est-ce que je peux refaire des munitions? Je sens qu'on va courir. Voici la prophétie inscrite dans la pénombre de la lune mourante. L'indicible s'élèvera.
Ah, un truc de téléportation, c'est bien. Alors, attends. Il a pas l'air tout bien le monsieur, hein. Glorifiez votre âme. Alors attends, il me disait quoi sur le truc de... C'est Smith Avenue, situé entre Levy Avenue et Deep Shore. Eh ben, ça devrait bien être par là. On est d'abord les Bicoffins, c'est ça. Car le crépuscule de notre ère est là. Voici la prophétie. Je pense qu'il faut que je fasse le tour. Hein. L'indicible s'élèvera et noiera le monde en ses flots pestilentiels. Non, mais c'est que je peux pas y... Mon Dieu ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ce truc ? Mon Dieu, mais je vais crever ! Il y a un mec qui m'a mis une couche chevrotine dans la gueule. Xian, t'es d'accord qu'il y a un mec qui m'a collé un coup de chevrotine dans la gueule pendant qu'il y avait une espèce de créature dégueulasse qui essayait de me manger ? Un saumon qui... C'est ça que t'as mal, mais j'arrive pas à lire. Il y a un saumon qui m'a descendu, c'est ça. Putain, je vais reprendre où avec cette histoire, moi. Alors, je suis là, ok. Bon, de toute évidence, je ne pouvais pas trop aller dans le coin non plus. Bon. À moins que j'ai raté un truc quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ornithorynque mutant. Et j'ai cru que les gens ils allaient venir me casser la gueule. Ça, c'est des espèces de poulets chats mutants.
Non, j'y vais pas. Ah, il m'a craché dessus! Dégueu! Comment on éteint ma lumière? Purifiez votre âme, car le crépuscule de notre ère... Attention! Oh oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi je me casse de là. J'aimerais bien éteindre ma lampe. Je sais qu'on peut l'éteindre. Mais je ne me rappelle plus comment. Bon, c'était un peu glauque l'histoire. Mouais. Raison, si je fais quoi? Les deux trucs canards, pas de Salvation Harbor, c'est par là. Ben, on devrait essayer de prendre le petit bateau et y aller voir. Allez, on va faire ça de façon tant qu'à foutre. Ne recommencez pas. Je vais te foutre un coup de pelle, tu vas voir. Alors attends, on va essayer de voir où on va. J'ai dit que c'était pas bon la soupe. Alors attends, l'autre bigorneau là, il nous avait dit Salvation Harbor sur Wimachin Street au sud de Polaris Road. Alors attends. De zoom. Polaris Road. On peut peut-être aller par là.
par là. Ici c'est moins cher d'ailleurs parce que c'est dégueulasse. Non mais les soupes japonaises c'est pas vraiment des soupes, c'est des ramen. Ah, point de voyage rapide, ça c'est bien. Donc ça c'est Polaris Road. Ouais c'est là, ok. Et... Weed Machin Street. Donc c'est par là. Les dernières nouvelles à être sorties de la presse. Monsieur, vous voulez un journal ? Alors attends. Ça qu'on est en train de faire, épingler la preuve. Widenheim Street, c'est ça, hein. Ça doit être par là. Le bâtiment dégueulasse, là, je suppose. Ouh, ça ressemble à un cimetière, ça. Est-ce que j'ai envie de descendre dans la cave? Je crois pas, non. Par contre, j'ai pas compris. Ça devait être bien par là. C'est un ancien magasin, Salvation. Mon avis, il se passe des trucs pas très catholiques ici. Allez, on souffle un grand coup. La porte refuse de bouger.
La porte, si elle refuse de bouger ou s'il faut que je vous foute un coup de tatane. La porte refuse de bouger. La porte refuse de bouger. Bon. Non, mais sérieux, j'ai pas envie de me taper encore. Oh là 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 là. Attends. Polaris Road. Ok, je vais redescendre là-bas. Je trouve pas le Max Centre de la Salvation Arbor sur au sud de Polaris Road. Ça doit être par là. Ok, magasin d'expansion. Oh putain! Putain, y'en a plusieurs! Mais sérieux, les gens m'aidaient pas, quoi! Ta mère! Alors c'est quoi les soins? Je vois pas, je crois que c'est ça. Punaise, comment je fais pour me soigner? Ah, j'ai pas de quoi me soigner. Ah. On est dans la merde. Ces taches de sang ont sans nul doute attiré les malbêtes. Vraisemblablement, le gérant est revenu de son rendez-vous avec le docteur Grant et a préféré se traiter lui-même. Putain, mais tu fais quoi? Tire! Putain,
Putain, elle est passée où la pute? Putain, mais laisse-moi te tataner la gueule! Ouais, cette brume noire là, sérieux. Les rêves troublants dont vous parliez pourraient être le résultat de l'infestation d'Elmintes. Les créatures qui apparaissent dans votre sommeil été que vous décrivez semblent par ailleurs apparentées à des formes parasites. Je vous recommande donc de suivre la recette indiquée ci-dessous. Elle vous aidera à préparer un onguent de ma propre conception. Il devra soulager vos symptômes et vous débarrasser des parasites. Bon, elle est où la dernière que je tatane là? On descendra à la cave après. J'aimerais être sûr d'abord qu'on les avait toutes bien tatanées, quoi. Ces taches de sang ont sans nul doute attiré les malbêtes. Vraisemblablement, le gérant est revenu de son rendez-vous avec le docteur Grant et a préféré se traiter lui-même. Ah, mais ça, c'est les positions où elles sont, peut-être, les malbêtes. Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, le livre. Les rêves sont venus en force, je sens les choses me toucher, me frôler, s'approcher. Ah ! Le docteur est peut-être un idiot obsédé par les théories, mais qui d'autre peut m'aider ? Je suis en train de devenir fou, me réveillant juste. Trouver ma couverture, je l'ai abattue au sol et écrasée jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. C'était pas un rêve, c'était réel. Ouais. La piste de la malbête là. Évidemment, faut que je descende dans la cave dégueulasse, évidemment. Non mais j'ai vraiment envie d'aller là. Ah, oh, pas cool. Je vais tataner sa gueule. Je ne supporte plus de rester éveillé plus longtemps. Et pas cool. Sa mère.
Alors. Attends. Ok. Qu'après. Oh, allez, il faut que j'aille leur tataner la gueule, putain. Ça me rapporte des points. Mais sérieux, elles sont où ? Bah, c'était dégueulasse. Mince, je me trompe de bouton à chaque fois. Vas-y, tatamu sa gueule. On est d'accord, on avait des alus ici, hein. Bon, j'ai pas tout compris là. Sale étranger. Alors. Et le truc, c'était celui-là. Non, The Salvation Harbor, Moonland World.
Salvation Road. Ça doit être par là. Ouais, alors c'est des super, si c'est une zone infestée, c'est cool. Merde, non, 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 non! Putain! Non mais... Ouais, bah c'est bon, je sais que je vais me faire crever. Tu peux pas nager plus vite, abruti, putain, au lieu de bouffer les sangsues, là. Eh, mais monte, putain. Sérieux. Coucou Mini Clio, ça va? On vient de mourir comme une vieille merde, dévorée par les sangsues. Alors. Je maîtrise pas du tout le truc. Ah bah je crois qu'il nous a emmené où on voulait, dis donc. Non. Nord de Salvation Harbor, Moorland Road et X Lane. X-Lane, c'est là. Alors, il dit quoi? Nord de Salvation Harbor, c'est ça. Moorland Road, entre X-Lane et Benevolent Tide. X-Lane. C'était quoi l'autre nom de truc? Oh punaise. Nord, machin. Moorland Land.
ça doit être par là. Bon. Alors attends, est-ce que niveau petit bateau, on a quoi? On a que ça là. Mais paye ton sens de l'orientation. Alors, on a dit qu'il faut qu'on remonte Morlanda. Mais c'est tellement glauque, c'est tellement glauque. J'ai cru que c'était des pendules, les mecs. On va voir si on peut pas se mettre dans la petite roue d'après, ça serait mieux. Toto, pousse-toi s'il te plaît le chat, putain. Mettre par là, ça sera bien. Alors, ils ont dit. Donc, c'était quoi le truc nord Moorland Road entre Higgins Lane et Benevolentire? Ça doit être par là. Alors, il doit y avoir une maison quelque part dans laquelle on doit pouvoir rentrer. Dans le coin là. Après être mort comme un vieux caca. Alors, on est où? Est-ce que maintenant j'ai de quoi faire de la santé? Putain, j'ai besoin de gnôle. Contaminé nord de Salvation Harbor, Moonland Road. Ah, attends.
Putain, j'espère que ça veut pas dire qu'il faut qu'on aille sur l'eau. J'ai eu de l'alcool, ça veut dire que je peux faire une santé. Je comprends pas. Mais c'est à dire que j'ai de la santé? Compris que ça fonctionnait comme ça, putain. Mais non, mais non! Je comprends pas où faut que j'aille. Nord de Salvation Harbor, ouais. Moorland Road, X Lane, Benevolent Tide. C'est bien ça, X Lane. Je comprends pas. Et dites-moi, c'est moi qui suis bête, mais c'est bien là pourtant.
Bah, je dois aller où c'est marqué. Nord de Salvation Harbor, c'est là où je suis. Moorland Road, entre Higgs Lane et Benevolent Tide. Donc, Higgs Lane, elle est là. Benevolent Line, elle est là. Et Moorland Road, c'est ça. Donc, pour moi, fallait passer sur l'eau, tu vois, en fait. Ou alors, c'est de l'autre côté qu'il fallait que j'aille. L'autre côté de l'eau, directement. Peut-être ça. C'est ça. Ok. Putain, il y a encore du sang partout. Putain, j'ai cru que c'était une navette. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Je suis mort comme un caca. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ressemblait à un truc comme ça, ouais, il m'a dégueulé des trucs dessus. J'ai cru que c'était une hallucination, mais non, en fait, je crois pas. Bref, résultat, on est mort comme un caca. C'est ça. Bon, alors, c'est pas tout, mais en fait, ça fait déjà une heure et demie qu'on joue. Je suis fatiguée, on vient de mourir comme un caca. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner affronter cette grosse bébête? Je dirais que non. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça aurait été un petit live, mais bah, toujours le problème des lives quand je suis fatiguée, même si on est vendredi soir. Et je peux difficilement... Enfin, j'ai commencé un petit peu tard, mais en plus, c'est dur de commencer plus tôt parce qu'il y a l'émission de Doctrice que j'aime bien regarder. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. On va pas se relancer dans l'énigme de la bestiole caca. Hein ? Et on essaiera d'aller explorer tout ça la prochaine fois. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon vendredi soir. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Et puis à très bientôt les gens. Salut, bye bye et bonne soirée Mini Clio.